Dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et vous asseoir. L'ange qui a marché avec William Marion Branham, on voit que cet ange-là soit là.
Ah, il est écrit partout, ce message sera prêché dans sa totalité. La colonne de feu sera là. Et nous croyons à cette colonne de feu ce soir. Et qu'il est permanent au milieu de nous. Et il parlera chacun de nous. Merci parce que tu es Dieu. Et quand moi du chemin prend la préminence, au nom du Seigneur Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Voilà. Nous allons. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous allons parler ce soir sur un sujet très simple. Les signes. Les signes. Les signes. Quand vous regardez, Dieu, c'est un Dieu des signes. À chaque fois un événement surnaturel va apparaître, va se passer sur la terre, il y a toujours un signe. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour son peuple, il attire l'attention de son peuple par des signes. Amen. 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 Même quand Job a voulu lire la Bible, comme on dit, sa Bible était les zodiacs. Amen. C'était les signes qui apparaissaient au ciel. Amen. Tu peux dire amen à cela. Amen. Et ces signes-là permettaient en sorte que Job puisse savoir ce qui va se passer. Amen. Amen. Et vous regarderez dans la Bible, quand les mages ont quitté l'Orient pour l'Occident, ils étaient accompagnés d'un signe. Amen. Le signe était l'étoile. Amen. 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 Nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Donc l'étoile avait quelque chose. Amen. Amen. C'était l'étoile, mais derrière cette étoile, il y avait quelque chose. Amen. Tu peux dire amen à cela. Amen. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours un signe qui apparaît. Même s'il veut envoyer un prophète, il y a toujours un signe. Qui peut dire amen à cela? Amen. Même Branham, avant qu'il vienne, il y a eu un signe. Amen. Lors de sa naissance, il y avait la lumière qui était suspendue à la fenêtre. Amen. Et sa mère pouvait voir ce signe-là. Amen. Mais très souvent, le signe ne vient pas seul. Amen. Il y a quelque chose qui accompagne le signe. Amen. J'ai besoin d'un amen. Amen. Alors nous, les gens du message, nous ne devons pas rester seulement dans les signes. Amen. Parce que quand vous regardez dans les signes, ce n'est pas suffisant. Amen. Il faut regarder quelque chose qui accompagne les signes. Amen. Les signes véritables de Dieu est accompagné d'une voix. Amen. Dites amen. Amen. Et que veut dire amen à cela? Amen. Donc, le signe qui n'a pas de voix, ce n'est pas des signes qui viennent de Dieu. Amen. Vous devez être éveillé. Est-ce que vous croyez le message de Branham? Branham prêchait la parole dans sa totalité. Il n'a rien retranché ni ajouté. Parce qu'un vrai prophète, c'est celui qui prêche la parole dans sa totalité. Un prophète qui vient de Dieu ne fait pas la compromis avec la parole. Dites amen. Pour voir que vous avez un véritable pasteur, c'est celui qui ne fait pas la compromis. Parce que quand on fait la compromis avec la parole, Dieu se retire. Dieu n'aime pas là où il y a la compromis. Dites amen à cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors ici, il s'agit de Moïse. Moïse était un prophète. Il était né prophète. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, avant que je fis dans le ventre de ma mère, tu m'as Amen. Tu m'as consacré prophète. Amen. Amen. Jérémie était prophète depuis le sein de sa mère. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous dire ce soir, on ne devient pas chrétien. Amen. On ne devient pas prophète. Amen. On ne devient pas fils de Dieu. Amen. On est prophète. On est fils de Dieu, on est prédicateur. Qui t'amène à cela? Est-ce que vous êtes là? Ah, ça fait la joie. Moïse est né prophète. Parce que lors de sa naissance, il y avait un signe. Amen. Parce que Dieu avait parlé à sa mère que tu donneras naissance à un enfant. Amen. Cet enfant-là sera un libérateur. Il faut maintenant dire le mot Moïse veut dire libérateur. La clé de la délivrance pour son père. Amen. Chaque serviteur de Dieu qui vient, il a la clé de la délivrance. Amen. Le frère Branham dit, quand Dieu envoie un serviteur, il prépare les gens pour l'écouter. Amen. J'ai besoin d'un amen. Amen. Je ne peux pas envoyer un serviteur s'il n'y a pas les gens qui doivent l'écouter. Amen. 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 Même si tout le monde ne peut pas intéresser, mais Dieu prépare toujours un peuple. Amen. Ce n'est pas ce prédicateur-là qui prépare le peuple, mais c'est
c'est Dieu qui prépare le pain. Il nous avait déjà préparé avant la fondation du monde. Il avait prédestiné un prédicateur. Je rends grâce à Dieu. Parce que Branham était, alléluia, celui qui a été prédestiné pour que moi je sois sauvé. Tout à même. On est toujours sauvé à travers un homme. Sans un prophète, il n'y a pas de salut. Dieu soit béni. Alléluia. Si Branham ne venait pas à l'âge de la Odyssée, personne ne devait être sauvé. C'est pourquoi je crois au salut. Et je crois à l'enlèvement. Qui peut dire amen? Quand il n'y a pas un prophète, il n'y a pas l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moïse était un libérateur. Dieu a dit à sa mère, tu donneras naissance à un fils, c'est celui-là qui libérera les enfants d'Israël. Amen. Et quand Moïse est né, alléluia, la Bible dit qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Oui. Pharaon était un idolâtre. Oui. Il a adoré les idoles, oui, le bois, oui, le serpent, oui, tous les démons. Amen. Amen. Il avait des devins au palais. Amen. Et Moïse a grandi là. Amen. Dieu a amené Moïse grandir dans la maison de Pharaon pour apprendre Moïse la sagesse de Pharaon. Parce que vous ne pouvez pas combattre votre ennemi si vous ne connaissez pas et comment il vient. Amen. Dieu a voulu que Moïse grandisse là pour qu'il puisse savoir comment libérer les peuples. Dieu c'est un stratège. Il connaît toutes choses. Il a la sagesse plus élevée. Moïse a grandi là. Et frère Branham me dit, Moïse avait l'autorité. Il était capable de devenir roi. Amen. Et il est, c'est lui que Pharaon préparait pour lui succéder. Amen. Mais le plan de Dieu n'était pas là. Amen. Les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Même ce soir, tu as un plan pour toi, Amen, un plan pour moi, Amen, et un plan pour mon frère. Dis ta mère, ce n'est pas ce que les gens préparent, ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que les gens organisent, Amen, mais c'est ce que l'Esprit du Seigneur dit pour toi. À la parole. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a grandi, il a atteint l'âge de 40 ans. Amen. Amen. Une génération. Frère Branham me dit, il faut faire beaucoup d'attention. Quand vous dépassez 40 ans, vous n'avez pas d'enfant, c'est suspect. Amen. Amen. Donc 40 ans, avant 40 ans, c'est l'âge où vous devez avoir le succès. Amen. Et quand il a atteint 40 ans, Frère Branham me dit, amen. Amen. Sa maman l'a rencontré l'histoire. Il a dit, Dieu m'avait parlé. Et Moïse, toi, tu vas libérer le peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a voulu faire la délivrance selon la chair. Amen. Il a voulu délivrer le peuple selon sa propre, hein, je sais pas, n'est-ce pas, donc, son intelligence. Amen. Mais ça n'a pas marché. Amen. Dieu ne délivre pas le peuple avec l'intellect. Dites amen. Dieu, quand il veut délivrer le peuple, il envoie le surnaturel. Amen. Amen. Un prédicateur surnaturel. Un prédicateur spécial. Qui est conçu selon le plan de Dieu. Je peux dire amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un Égyptien et un Israélite en train de se battre. Moïse a pris la part de son frère. Et la Bible a dit qu'il a tué l'Égyptien. Et cela lui a permis de fuir. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Très souvent, Dieu, quand il veut se servir de toi, il va t'isoler. Amen. 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 Moïse est allé s'isoler. Et à la montagne, il a vu quelque chose. Oui. Le surnaturel. Amen. Le surnaturel. Amen. Il a vu l'arbre qui se consumait. Amen. Qui a pris du feu, mais qui ne se consumait pas. Hein? Bah. Voyez, c'était ainsi. Amen. Prenez Sina pour passer. L'arbre a pris du feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Amen. C'était le signe. Fabala me dit, c'était comme une vision. Amen. Moïse a dit, mais ça c'est quel événement? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait avancer pour voir si c'était une vision ou une réalité. Amen. Écoutez ce que Frère Fabala me dit dans la brochure La Voix d'ici. Le paragraphe 147. Or, si vous êtes spirituel, vous saisirez ce que j'ai dit. Vous saisirez ce que je dis. Que Dieu vous ouvre l'entendement spirituel. Que le temps ça a duré. Hein?
400 ans, Israël était sans prophète. Israël était sans prophète. Les églises s'étaient tellement embrouillées. Et puis voici apparaître Jean sur la scène. Jean était le prophète. Jean était le prophète. Un signe que le Messie allait parler. Un signe que le Messie allait parler. Après lui. Suivez. En effet, Malachie 3 dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin, préparer le peuple. Considérez Jean, il n'y avait pas d'égoïsme en lui. Il ne s'est jamais attribué la gloire. Il ne s'est jamais attribué la gloire. Les gens cherchaient à l'appeler le Messie, mais il a dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais aussitôt que Jésus est apparu, il avait un signe, la colonne de feu. Jésus avait un signe, la colonne de feu. Une lumière au-dessus de lui. Une lumière au-dessus de lui. Regardez, remarquez. Vous allez voir à chaque fois Dieu, un vrai Dieu, le véritable Dieu. Quand il veut apparaître à ce prophète, il y a toujours un signe de la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est un signe que Dieu utilise. Parce qu'avec Moïse, c'était le feu. Amen. Continuons la lecture. Comme une colonne qui descend et une voix. Comme une colonne qui descend et une voix. Une voix qui dit. Et une voix qui dit. Il y a d'abord les cieux qui étaient la colonne de feu, descendant comme une colonne. Après maintenant, une voix. La voix a dit quoi? Amen. Malgré que Jean-Baptiste avait vu les cieux, mais n'était pas paniqué. Il attendait la voix. Malgré que Moïse avait vu le ciel, il s'est avancé pour voir, mais cela n'a pas trop attiré son attention. Mais il entendait ce qui sortait de ce ciel-là. Dis ta main. Oh man. Allons-y, frère. Comme une colombe qui descend. Comme une colombe qui descend. Et une voix qui dit. Et une voix qui dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Remarquez. Et remarquez. Aussitôt Jean dit. Aussitôt Jean dit. Il doit croître. Il doit croître. Et moi je dois diminuer. Et moi je dois diminuer. Amen. Il a présenté l'église à Christ. Amen. Il nous a annoncé que dans les derniers jours, cela se répétera. Cela se répétera. Il sera proclamé un message. Un message. Qui présentera le Messie. Qui présentera le Messie. Aux gens. Aux gens. Écoutez-moi bien. À chaque fois où le Messie va descendre sur la terre, il y a toujours un signe qui apparaît. Amen. Amen. Parce que le message de Moïse était de sortir le peuple de l'Égypte à la terre promise. Amen. Tu comprends? Amen. Maintenant, le message de Malachie 4, c'est de sortir l'église de la dénomination à une église de la promesse. Amen. Et ce message-là doit être accompagné d'un signe et d'une voix. Amen. Tu comprends? Amen. Seulement les signes, ça ne peut pas nous sauver. Amen. Les signes ne sauvent personne. Il l'a promis. Il l'a promis. Le chapitre suivant de Matthieu, de Malachie, nous dit. Très bon, merci. Oh, merci Seigneur. Quand Dieu voulait envoyer Jonas à Ninive, le Ninivite adorait un dieu poisson. Leur dieu était poisson. Il croyait un poisson. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Gloire à Dieu pour le message. Dieu a utilisé leur dieu poisson, pour que Jonas vienne. Ils se sont attachés. Merci
ont posé des questions là-dessus. Ils ont posé des questions là-dessus. La nature des gens l'identifiait à l'esprit d'Élie. La nature des gens, Jean-Baptiste, yes. L'identifiait à la nature de qui? D'Élie. Je vous ai dit, Élie n'est pas un homme. Yes. Élie n'est pas un homme. Élie, c'est un esprit. Avec les pères.
foi d'ici. La foi d'ici. La foi d'ici. N'avance pas ici. Car le lieu à laquelle tu te trouves, c'est une terre sainte. Enlève tes souliers. L'humilité. Dieu, pour t'élever, tu dois d'abord t'humilier. Si Moïse n'enlevait pas les souliers, Dieu n'allait pas parler. Moïse enlevait les souliers. Tu as dit, j'ai entendu les cris qui font pousser mon père. Oh Jésus. Quand Dieu parle, il dit, c'est là où la délivrance commence. La délivrance n'a pas commencé quand Moïse est arrivé en Égypte. La délivrance a commencé quand Dieu a parlé. Amen. Alléluia. Écoutez, la Bible dit. La Bible dit, lisez là où on vient de lire. Le verset 4. Quand Dieu a fini de parler, Moïse. Hein? Verset 4. Oui, verset 4. Allons-y. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Parce que Moïse est un homme. Amen. Il connaissait ce peuple-là. Il savait que c'est le peuple qui ne croit pas n'importe quoi. Ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront point ma voix. Ils diront l'Éternel n'était point apparu. Ils diront l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit. Il répondit. Une vierge. L'Éternel dit. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Il en devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent relevait une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Et lui, c'est ce que tu feras. Parce qu'il faut que tu les montres. Que le Dieu qui t'est apparu là, ce n'est pas le Dieu de boutique. Allons-y. Le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Deviendra du sang sur la mer. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier. C'est vrai, tu m'as montré les signes. Je crois à tes signes. Moïse aussi a eu la révélation. Mais il dit, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Parce qu'il savait que même si je montre des signes, mais il faut une voix. Il faut la parole. Parfait. Qui va les faire asseoir? Qui va les donner la foi? Qui va changer les façons? Hein? Allons-y, frère. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend mieux ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel?
Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Ce n'est pas toi qui vas parler. Moïse, toi, tu seras là. Mais moi, je serai avec ta bouche. C'est moi qui parlera à ce peuple. Ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Amen. Parce que leurs oreilles n'étaient pas conçues pour écouter. Amen. Mais Moïse avait les oreilles travaillées. Amen. Alléluia. Hein? C'est pourquoi ne vous posez pas de questions. Ce n'est pas tout le monde qui devait venir à cette table de la Odyssée. Le travail de la Odyssée ne devait pas sortir d'une église. Parce qu'il faut que Dieu lui-même travaille ces prophètes-là. C'est pourquoi Dieu avait choisi William Marion Branham dans son économie. Il a travaillé. Il a fait de lui un prophète depuis. Et il a envoyé pour nous sauver. Pour nous amener un véritable message. Ce message-là, c'est ça là qui nous sauve. Dites amen. Sauve, mais c'est son message. Dites amen. Lisons la lecture à la fin. Allons-y, vous allez écouter quelque chose. Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre moi. Moïse déclara même, il dit ne m'envoie pas, envoie quelqu'un d'autre. Dieu est obligé de se fâcher. Mais je l'ai envoyé encore qui? C'est toi que moi je connais. C'est la vie éternelle. Amen. Si tu ne crois pas à ce message, tu es déjà perdu. Amen. Que tu veux ou pas, tu es déjà perdu. Amen. Oh, moi je suis dans l'église, mon pasteur c'est un prophète. Non, nous avons qu'un seul prophète. Amen. Dans ce temps de la fin, c'est William Marion Branham. Si tu ne veux pas, cherche ton monde, va vivre. Amen. Cherche ton âge, va vivre. Amen. Et si c'est l'âge de la Odyssée, c'est William Marion Branham. Nous avons accordé trop d'importance au mécanisme. Et rien dit tout à la fois dynamique. Il faut que la puissance dynamique de Dieu. La puissance de résurrection. De Jésus-Christ. Rende manifeste et confirme qu'il s'agit des sens. Il faut que la puissance de Jésus-Christ rend témoignage qu'il s'agit de quoi? L'essence. Parce qu'une voiture qui n'a pas d'essence, cette voiture ne va pas démarrer. Amen. Est-ce que vous croyez? Hein? Si vous mettez de l'eau à la place d'essence, votre voiture ne va pas démarrer. Amen. Oh, merci Seigneur. Allons-y. Ce n'est pas parce qu'elle est dans un bidon à essence. Que c'est de l'essence. Ce n'est pas parce qu'il prêche le message que c'est un prédicateur. Non, frère. Ce n'est pas parce qu'il touche le brochure de Brahma que tu es un prédicateur. Et tu es dans un bidon. Il faut que tu te mettes dans la voiture pour voir réellement si tu es essence. Aussi bien être de l'eau. Peut-être que tu es l'eau. Vous comprenez? Non, on comprend ça, voilà. Le seul moyen de l'éprouver, le seul moyen de l'éprouver,
c'est d'en approcher l'étincelle de vie. Et alors on verra si c'est de l'essence, si c'est de l'essence ou non. Lorsque vous essayez d'introduire le Saint-Esprit dans une dénomination, c'est comme si vous essayez de... Le moteur ne tourne pas rond. Vous finirez par l'encrasser complètement. Lorsque tu te tiens à la chair, tu prêches les gens charnels. Les gens qui ne croient pas au surnaturel, il n'y aura rien qui va se manifester. Il faut un peuple surnaturel pour croire à un Dieu surnaturel. Essence à 10 000 d'octaves. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit pour l'allumer. Il y a le Saint-Esprit pour l'allumer. Et pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. La parole de Dieu. Écoutez. Là, tu m'as fait. Recommence. Je suis si content qu'il y ait une essence à 10 000 d'octaves. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit pour l'allumer. Il y a le Saint-Esprit pour l'allumer. Et pour ressusciter la puissance de Dieu. Et pour ressusciter la puissance de Dieu. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit là, il y a la puissance de Dieu qui doit l'allumer. Je suis prédicateur. Mais qu'est-ce que tu prouves que tu es prédicateur? Tu es prédicateur au milieu en main parce que tu as ta Bible. Mais prouve-nous réellement que la vie de Christ est en toi. Quand la vie de Christ est en toi, ça doit produire le fruit. Notamment, un prédicateur envoyé par Dieu.
bénédiction. Je ne peux pas manifester Dieu, le Dieu de Branham. Parce que tout le monde manifeste Dieu. Mais je dis le Dieu de Branham. Pour le manifester, il faut être commissionné. Parce que Branham était commissionné par l'ange lui-même. Branham ne fume pas. De l'homme. Au lieu d'opter pour l'église, ils ont opté pour l'organisation
et ils sont en train de tout soumettre à un seul chef suprême. Tu vois? Donc l'église, son état spirituel, nous devons regarder le Saint. L'église est remplie du Saint-Esprit. Continuons notre brochure là. Alors cette Galilée excellente sous la route, sous l'action de la puissance dynamique du Saint-Esprit qui est revenu et a été agité au-dessus du peuple au jour de Pentecôte, confirmant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'entre tous les prophètes, vint la première germe. C'était le Fils de Dieu, le roi de tous les prophètes. Il y a eu des églises, des épouses, encore des églises et encore des épouses. Mais maintenant, il y a une qui doit venir. Alléluia. Une qui doit venir. Il faut qu'apparaisse une vraie épouse. Une vraie épouse. Il faut que ça. On a eu des églises du message. Oui, monsieur. Pourquoi pas venir? Les églises du message. C'est le problème. On a eu des églises. Des épouses. Mais il y a une qui doit venir. Amen. Allons-y. Il faut que celle qui apparaîtra n'est pas seulement un mécanisme, mais qu'il y ait aussi en elle cette dynamique qui donne la vie à l'église et lui donne le mouvement. Je n'ai pas bien compris. Commence, frère. Montre là où on a eu des églises. Okay. Il y a eu des églises, des épouses, encore des églises et encore des épouses. Les églises se sont multipliées. Mais maintenant, les pasteurs se sont multipliées. Les gens qui sont venus avec le troisième Adam, Jésus est déjà venu. Nous sommes dans les millions. Hein? Prends même Dieu. Comme pour Philippe les prophètes. L'enlèvement a eu déjà lieu. Et nous, la divinité, c'est seulement avec. Le discernement était seulement avec. C'est là où Abraham est dit. Il y a eu des églises, des épouses. Mais écoutez, il y a une qui doit. Il y en a une qui doit venir. Alléluia. Il faut qu'apparaisse une vraie épouse. Une vraie épouse. Amen. Quand il n'y a pas une vraie église, tu n'auras pas une vraie épouse. Amen. Il faut que celle qui apparaîtra. Il faut que celle qui apparaîtra n'ait pas seulement un mécanisme. Mais qu'il voilà la vraie église que Branham me dit. Celle qui devait apparaître. Que cette église ne soit pas seulement, qu'il n'ait pas seulement. N'ait pas seulement un mécanisme. Un mécanisme. Mais qu'il y ait aussi en elle cette dynamique qui donne la vie à l'église. Mais est-ce que les gens du message lisent les brochures là? Disons ça. Branham me dit, le diable a crevé leurs yeux. Il les a rendus aveugles. L'œil droit. On a lu ça. Ils ne voient plus les surnaturels. Parce que si votre œil droit est crevé, vous n'allez pas voir les surnaturels. Amen. Ceux qui ont le droit de voir le surnaturel, c'est ceux qui ont deux yeux. Amen. Merci Seigneur. Mais il y a aussi cette dynamique qui donne la vie à l'église. Qui donne la vie à l'église. Et lui donne le mouvement par la puissance. Qui donne le mouvement par la puissance. De sa résurrection. De sa résurrection. À quoi cela sert-il de polir l'écran si nous n'avons pas trouvé le lieu où nous devons aller? À quoi cela sert-il de lui redonner l'apparence du neuf s'il n'y a pas cette dynamique en elle? Quelque parfait que soit le mécanisme, il lui faut une dynamique pour le mettre en mouvement. C'est cela qu'il nous a montré. C'est cela qu'il nous a montré. Alléluia. C'est cela que Pâques nous démontre. Il n'était pas seulement la parole, mais Dieu lui-même, la dynamique de la parole, qui fit que le corps de Jésus-Christ, raidi et froid dans le sépulcre, est redevenu à la vie. Il n'était pas seulement la parole. Il était la parole et la dynamique. Mais Dieu lui-même, il n'était pas seulement la parole. Parce que s'il était seulement la parole, Jésus-Christ ne devait pas ressusciter. Ce n'est pas la parole qui a ressuscité Jésus. C'est la dynamique, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est Branham qui dit que tu veux ou pas, ça c'est Wembe.
croit dans le sépulcre est venu à la vie, s'est relevé et a roulé la pierre. Je suis celui qui était mort. Mort au point que le soleil, la lune et les étoiles et toute la nature proclamèrent qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître. Le monde entier doit reconnaître qu'il est de nouveau vivant. Qu'il est de nouveau vivant. Il n'était pas seulement le mécanisme. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais aussi la dynamique. Aussi la dynamique. Qui le confirma. Qui le confirma. Ah. Yes. Alléluia. Qui le confirma. La dynamique le confirma. Une parole sans confirmation, c'est une parole morte. Ça a revoir. Qui est ton père spirituel? Qui t'a envoyé? Est-ce que tu prêches réellement le message de Branham? Et Dieu t'a dit quoi? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Et tu amènes les gens où? Amen. Alléluia. Lisons, frère. Et s'il est l'époux, s'il est l'époux, alors l'épouse doit venir. L'épouse doit venir. Car elle est une partie de lui. Ah. Et elle ne peut être que la manifestation et l'accomplissement de toutes les révélations de tous ceux qui ont parlé de l'épouse. Ah. Et elle ne peut que manifester. Elle ne peut que manifester. Et si elle fait quelque chose autrement que l'époux, alors elle n'est pas l'épouse. Ah. Parce que l'épouse est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie, et puissante de sa puissance. Est-ce que c'est moi qui parle? Amen. Nous sommes l'épouse. Nous avons notre époux. Voilà, mais l'époux est os de ses os, chair de sa chair, puissance de sa puissance. La vérité. Bien positionné. C'est Branham qui dit. Amen. Ce n'est pas moi. Maintenant toi, qui est ton époux? Hein? Qui est ton époux? Continue, frère. Elle est lui. Elle est lui. De même que l'homme et sa femme sont un, puisqu'elle a été tirée de l'homme. Puisqu'elle a été tirée de son côté, ainsi l'épouse a-t-elle pris son esprit? L'esprit féminin sorti de lui, prit la chair de son côté. Elle a été faite à la fois mécanisme et dynamique. Son esprit et sa chair réunis pour former ensemble le mécanisme et la dynamique. Tant que l'église ou le peuple, tout cela peut de Pâques, cérémonies, grandes églises, tout cela tombera et disparaîtra. À moins que l'église ne devienne à la fois mécanisme et dynamique. Et l'Esprit de Dieu qui le fit accomplir les choses qu'il a accomplies, lorsqu'il mettra le contact à ses 16 cylindres, alors l'épouse fera de même. Amen. Car il est dit dans Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Je mettrai ma dynamique dans son mécanisme afin que le monde ne puisse lui résister. Et je lui ressusciterai au dernier jour. Voici le message de Pâques. L'union de la dynamique et du mécanisme. Le mécanisme sans la dynamique ne sert à rien. Non plus que la dynamique sans le mécanisme, vous pouvez crier, vous pouvez crier, sauter, exalter tant et plus. Et régner la parole, alors cela ne servira à rien. Vous ne faites que tourner la manivelle de votre moteur, mais vous n'avez pas mis de sens. S'il y a des étincelles, mais pas de carburant,
ils ne peuvent agir qu'ensemble. Amen. Si une voiture restera immobile, mais l'autre s'en ira, c'est ce qui arrivera. Pourtant, toutes deux se ressemblent. Beaucoup. Elles prétendent toutes deux être des églises. Elles prétendent toutes deux être des épouses. Mais il n'y en a qu'une qui est à la fois le mécanisme et la dynamique. Et c'est cela qui fait que les choses s'accomplissent. C'est ce qu'il a dit est la vérité. Voilà. Viens en contact avec le sens. Il y a une explosion, une combustion. Et cette combustion crée le mouvement. Chaque mouvement, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là la résurrection. C'est la réelle puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas toutes les églises qui iront en enlèvement. C'est pas parce que vous êtes une église du message que vous irez en enlèvement. C'est faux. L'église qui ira en enlèvement, c'est cette église qui manifeste la dynamique et la mécanique. Parce que la vie de Christ est là. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire qu'en toi, il y a la mécanique et la dynamique. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas. Et le Saint-Esprit, ça se transmet. Et ce n'est pas n'importe qui peut te transmettre. Le frère Branham me dit ceci, écoutez ce que le frère Branham me dit. Moïse avait vu les dos de Dieu. Ils ont ici. On va même l'approcher. Qui est ce Melchisedec? Paragraphe 99. Il dit. Il dit. Aucun homme ne peut voir ma face. Il ajouta. Je mettrai ma main sur tes yeux et je passerai. Et tu pourras voir mon dos, mais non ma face. Voyez-vous, et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors la parole qui est venue à Moïse, je suis. Je suis. C'était la parole. Je suis la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu, dans un buisson ardent, le je suis. En tant que parole de la théologie, les je suis. En tant que parole de la théologie, je vais dire de la théophanie. De la théophanie. Excusez-moi. Il est venu vers Abraham sous les chênes en tant qu'homme. Maintenant, regardez ceci. Un homme est venu vers Abraham. Ils étaient trois et ils se sont assis sous un chêne. Et remarquez, après avoir parlé à Abraham, pourquoi est-il venu? Abraham était celui qui avait la promesse et le message du fils qui allait venir. Et il était aussi le prophète de la parole de Dieu, qui avait confiance dans la parole de Dieu, qui considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire. Voyez-vous comme la parole est parfaite? La parole est venue au prophète. Voyez-vous? Il y avait là Dieu dans une théophanie. Et la Bible dit que la parole vient au prophète. Et là s'est trouvée la parole dans la théophanie. Maintenant vous dites, était-ce Dieu? Abraham a dit que c'était lui. Il a dit que son nom était, il l'appela Elohim. Elohim. Or, dans Genèse 1, vous voyez ceci. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham appela cette personne qui s'assit là et lui parla, qui put lui dire les secrets de son cœur et ce que Sarah pensait derrière lui. Abraham dit, c'est Elohim. C'est Elohim. Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela? Remarquez après. Maintenant, nous découvrons qu'il était alors sous la forme d'une théophanie. Il appela Seigneur Dieu. Elohim. Nous découvrons dans Genèse 18 que c'est juste. Maintenant, remarquez Abraham.
Ils étaient trois ensemble. Toutefois, lorsqu'Abraham les rencontra, il dit, mon Seigneur. Mon Seigneur. Mais lorsque Lot, là-bas à Sodome, deux d'entre eux y allèrent, lorsqu'il les vit venir, il dit, Seigneur. Mes Seigneurs, voyez-vous, que s'est-il passé? Premièrement, Lot n'était pas un prophète. C'est vrai. Il n'était pas non plus le messager de l'heure. Alors, n'avait-il pas des révélations à propos de lui? C'est exact. L'autre pouvait les appeler Seigneur, Seigneur au pluriel. Mais Seigneur, s'il y en avait eu une douzaine, il aurait toujours pu les appeler Seigneur au pluriel. Faudra me dire ceci. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse, chapitre 1er, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était sa théophanie. L'homme a été créé. N'est-ce pas? L'homme a été créé. Et c'était dans la pensée de Dieu. L'homme qui a été créé là était dans la pensée de Dieu. C'est ça le vrai homme. Maintenant, quand vous venez dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, formons l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a la création et il y a la formation. Deux choses différentes. Amen. L'homme que Dieu a créé dans Genèse 1er 26 était dans la pensée de Dieu. Dieu l'a laissé là. Il marchait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il a créé avec Dieu. Il a fait tout avec Dieu. Mais dans Genèse chapitre 2 le verset 7, la Bible dit, il n'y avait personne pour cultiver la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme de Genèse chapitre 1er était dans la pensée de Dieu. Après avoir formé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu souffla sur ce qu'il avait formé. C'est-à-dire qu'il a pris l'homme qui était dans ses pensées, il l'a mis dans ce qu'il avait créé. Il avait formé. Qui peut dire amen à cela? C'est pourquoi frère Abraham dit, dans l'homme, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Lors de la résurrection, Jésus s'est divisé en trois. Amen. Il y a son corps qui est allé où? Qui est resté à la tombe. Il y a son esprit qui est allé au ciel. Et il y a son âme qui est allée au séjour des morts. Même quand nous mourons, merci Seigneur Jésus, la terre que vous voyez là, la chair là, elle retourne le poussé de la tête. Amen. Alors, Dieu, pour sauver l'homme, il ne sauve pas le corps. Le corps ne sera jamais sauvé. Amen. Parce que le corps est corrompu. Elle est sortie de la terre et va retourner à la terre. Parce que la terre a été maudite. Dites amen. Quand Dieu a maudit l'homme, les fils de Dieu ne pêchent pas. Le corps céleste là, le corps qui va porter là, le corps
épouse de Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici à Port-Gentil, à l'Alliance Tabernacle. Nous voulons écouter un bon message qui était intitulé « Les signes ». Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse à travers un signe. Mais Frère Banam dit « Les signes seuls ne nous suffisent pas. Il faut la voix qui accompagne le signe parce que les signes ne sauvent pas. Le signe attire seulement l'attention des gens. Mais ce qui sauve, c'est la voix qui est derrière le signe. D'ailleurs, vous savez, quand Jean-Baptiste a vu le signe, ce n'était pas ça, n'est-ce pas, qui était le plus important. Le plus important, c'est quand, n'est-ce pas, donc la personne est venue, la voix qui est sortie du signe, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je tiens à vous rappeler que le temps où nous vivons, c'est un temps où Dieu est en train de se manifester. Comme Frère Branham dit, il nous faut les signes et la parole. Donc, nous, Alliance Tabernacle, nous vous invitons de venir écouter un bon sermon, donc un message puissant qui est intitulé « Les signes ». Venez, vous allez voir le merveille. Le message aujourd'hui n'est pas seulement prêché à la lettre. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, nous avons tant écouté ces choses-là. Nous voulons que ce que Frère Branham a dit devienne une réalité en nous. Parce que la parole doit manifester la puissance. Une parole sans puissance, c'est une parole morte. Si elle est vraiment la parole qui vient de Dieu, elle doit être accompagné par une puissance. C'est pourquoi la puissance aussi, celle ne sauve pas, dit Frère Branham. La puissance doit être accompagnée de la parole. C'est pourquoi je viens de dire tout de suite que ce n'est pas les dons qui font de nous une église, parce que les dons ne sauveront personne. Ce qui fait de nous une église, c'est la parole. Alors cette parole-là doit être toujours accompagnée, parce que les enfants de Dieu ont des problèmes, ils écoutent la parole, ils ont aussi besoin de la vie qui accompagne cette parole. Cette vie-là, c'est ça qui change leur vie, qui les accompagne, qui fait en sorte que leurs problèmes soient résolus. Alors, je pouvais simplement vous dire shalom, passez une bonne soirée. Donc, le rendez-vous, c'est le vendredi temps pour moi. Le dimanche, on sera ensemble, nous serons ravis, parce que je vais entrer en profondeur le vendredi pour parler encore d'autres signes et vous allez écouter de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais prier pour tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier tous ensemble. Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis tes enfants qui vont l'écouter. Que l'ange, la colonne de feu, la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de Branham, qui a été toujours avec William Mario Branham, soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Recevez la grâce, la paix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.